Les Blues, mesdames et messieurs, je vous le rappelle, étaient derniers en janvier et ils ont gagné le précieux trophée au mois de juin. Alors, Danault face à O'Reilly dès la mise en jeu initiale. Bon samedi soir, mesdames et messieurs. Très, très courageux. Tatar de là. Et go! Tomáš Tatar! Depuis la mise en jeu, regardez bien, on a sauté rapidement sur cette rondelle et on s'est dirigé vers le filet. Et Tatar, une rondelle soutenante qui touche partiellement l'épaule du gardien de Bennington et qui va continuer sa route dans le fond du filet. Alors ça, la passe devant est là, Mété a bien joué, sinon Tarasenko pouvait saisir. Max Domi avec Wheel. La passe dans le loin, la rondelle est interceptée. Jaden Schwartz à Tarasenko. La passe, c'est reçu, Shannon un tir. Quelle entrée de territoire, quel tir de Braden Schenn. L'égalité créée avec 2-0-2 à faire en première. Mais c'est surtout ce qui a retenu l'attention, c'est la passe transversale, le changement de direction. Regardez par la suite, une défensive qui est menottée en quelque sorte. Un peu trop d'espace de l'autre côté. Ça donne le temps à Schenn de recevoir cette rondelle. Regardez-le, il s'avance. Et là, c'est la zone privilégiée. Le tir est parfait. Quel lancé de la part de Braden Schenn. Regarde Sherratt, il lui remet la rondelle. Sherratt, bien fait, Drouin, le tir, et Jonathan Drouin! On peut voir Jonathan Drouin s'exercer de la sorte. Tout le crédit lui revient. Il sort du banc du Canadien avec beaucoup de rapidité. Le plus important, regardez, bâton sur la patinoire, la tête bien haute. Pietrangelo se fait prendre, lui, très profond dans son territoire. N'a pas le temps de se réajuster. Un petit peu comme Schenn l'a fait face à Carey Price. Il y aura une pénalité. Tatar va le chasser. Blais, il entre à gauche. Il revient. Blais toujours, il lance la rondelle bloquée. Au retour, Blais. Un autre, et compte! Quel effort individuel de Samuel Blais. Impressionnant. Regardez-le ici. Vraiment, whoop, extérieur, intérieur. Merci, M. Petrie. Et par la suite, un lancer bloqué. Retour d'un angle pratiquement impossible. Ça va être partie supérieure. Moi, c'est de la façon dont il s'est débarrassé de Petrie pour créer cette chance de marquer. Regardez le retour, partie supérieure. Je crois. Blais à Schenn. Schenn de reculons. S'installe. Tarasenko à Schenn. Schenn. La passe dans un lancer. Et compte! Wow! Quelle exécution! Vince Dunn! C'était dans l'enclave. Regardez bien Armia ici. Blais va attirer son attention. Alors Armia s'amène, mais on oublie carrément le défenseur qui s'amène sur le tard. Et la chance la plus dangereuse, c'est cette passe transversale parce qu'il y a du mouvement. Et regardez Dunn, il est très habile, un bon patineur. Intervention de Gallagher, c'est lui qui saisit la rondelle. Danault accélère. La rondelle vers Tatar. Tatar voulait laisser derrière. Parrico est là. Gallagher en direction de Tatar. Tatar demande le tir. Exactement. De quelle façon on va entrer en zone ennemie? Eh bien, c'est simple. On pousse une rondelle et après, on se met au travail. C'est exactement ce que Gallagher a fait. Et regardez la comp. Serve la rondelle. On évite le hors-jeu de justesse. La passe est derrière à Petrie. La part devant. Non! Jordan Will! Il ne l'a même pas marqué dans un filet de soccer. Il n'a pas touché le fond du filet. C'est incroyable. Regardez la situation. Je pense qu'il a fait se déconcentrer cette défensive. Et surtout le gardien de but, Bennington. Et lui, il va s'en vouloir. Pourquoi? Parce que regardez depuis l'arrière du filet, Lekkonen n'a aucune chance de trouver une faille dans le fond du filet. C'est un retour de lancer. Il y a un petit espace par-dessus la jambière de Bennington. Et c'est là où Lekkonen. 8 minutes 15 secondes à faire. À la troisième période, les Canadiens en quête de leur première victoire en temps réglementaire. Domi va attaquer, Domi la passe et la rondelle Domi et compte! Filet de bien la maîtriser, regardez Gallagher ici, s'amène vers le filet. Oh boy, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il sort son filet? Price et Kulak. Kulak devant Drouin, le disque est soulevé. Domi, oh, il n'y a plus de gardien. Il en fait go! Max Domi confirme la victoire du CH. Ça sur la feuille de pointage. Regardez le deuxième effort de Domi pour plonger. Pousser cette rondelle dans le filet. Mettez avec le disque. Les Canadiens ont raison des champions en titre de la Coupe Stanley.